Bonjour monsieur, dame, comment ça va tout le monde sur le campus de la Salty Academy? Vous avez passé une bonne et une agréable journée? Entrez. What the fuck, une nouvelle caméra? Mais non, c'est pas une nouvelle caméra. Elle est pas bien, c'est l'éclairage que j'ai changé. Il y a un truc de face maintenant. Peut-être qu'il faut que je la descende un peu. Vous voulez que je la descende un peu, c'est ça? C'est mieux comme ça? Je peux baisser l'intensité un peu. Toujours autant la jaunisse du cancer. Mais ta mère, la grosse toi, sérieusement! Ah, mais sérieusement, Defman, quoi! Toujours la jaunisse du cancer, quoi! Le mec sympa, lundi matin, je reprends le boulot, on est au mois de novembre, ça me fait chier d'aller sur R6 en attendant la nouvelle saison, et je me prends, ah, t'as toujours la jaunisse du cancer, fils de... Ultimate. Remember it. C'est mieux comme ça? Après, je suis bronzé, j'y peux rien, les mecs. Je suis breton, là. Oui, là, c'est comme avant. Ah, mais faut me le dire, ça. Mais avec d'autres mots. À chaque fois, vous êtes en mode... Oui, 6-4, il est pas très bienveillant et tout. Franchement, la bienveillance, c'est hyper important maintenant. Et la gentillesse, et nanana. Et vas-y, que je te suce la queue et tout, là. Ah, ça me vénère. What? Pourquoi ils se barrent tous? Ah, bah, parce qu'il y a 3-0. Bah oui, je viens de rejoindre une game total defeat. T'as pas de gonze à la maison, mon jeune Six? Moi? Oh, Villa, ça fait plaisir. En attaque, en plus. Qu'est-ce que j'aime cette map. Eh, hey, les amis, les plus belles histoires d'amour commencent par une nuit. Hein. Ouais, vous pouvez la noter, celle-là. Elle est de moi. Enfin, qu'est-ce qu'elle m'a permis de niquer, quand même, celle-là. La phrase. Ouais, ok, Shakespeare. Toi, t'es con, toi. Toi, t'as bien compris le principe de Rainbow Six. Il continue de tirer. Je vais donc passer dans son spray. Mais putain, mais c'est quoi ça, là? Moi, je m'en bats les couilles. Eh, les gars, je fais mon entrée fragger, là. Vous faites bouger les gens, je prends des lignes. Et ça, c'est le flex. Ça, c'est le flex un peu con qui arrive. Y'a un mec qui scam main, là. Regarde les scams, mec. J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de le droner, moi. La flemme. Vas-y, t'as Chanka, je te jure. Tu viens, là. Je te pense la petite rondelle. Oh, ça me saoule. Ah ouais, c'est ça, l'entrée frag, là. C'est vraiment le boulot le plus simple du jeu, en fait. Eh, les amis, c'est quoi le concept que vous voulez le plus revoir en début d'année? Salty Duel, Campus Cup, les héros, Teachers, Coaching Live, Youngtis Royale, Valorant. Oh, nique ta race, il y a trop de monde déjà sur Valorant. En plus, ça marche pas tant que ça. Valorant, ça a une grosse aura, tout le monde en parle et tout, moi j'ai un peu vu. Bon, soit bon, tu regardes les streams, c'est pas non plus ouf, quoi. Fortnite, les héros, c'est aussi bien qu'avec les vieux, c'était ouf. Les héros de l'EHPAD, Nano, me faisait trop rire. Les héros, un gros event OP Valor, nom de Dieu. Un gros event OP Valor, Robifle, moi je veux bien, moi je veux bien. Mi-décembre, le mec a créé les custom games pour moi. Genre vraiment. Ah oui, y a plus rien quoi. Y a pas de notes, y a pas de news, y a pas de battle pass, y a plus rien quoi. Pourquoi y a que ce... Tower Favela House. On a décidé chez Ubisoft Montréal de vous mettre Tower Favela et House Tower parce que bah on a bien écouté la communauté et comme on vous déteste, bah du coup va vous la remettre dans la bande de fils de. Favela parce que c'est Favela et puis House quoi. Ah, c'est les seules maps. Y'a plus Oregon, t'es. Non, non, y'a eu trop de Oregon, hein. Ouais, alors y'a trop de Dust 2, fils de pute. Et alors, nous, on n'a pas besoin de... Voilà, quoi. Arrêtez que vous map de merde. Fin décembre, là, je fais rideau. Je me casse, ok. Je vais retrouver les joies du salariat. Je vais retrouver les joies du salariat, mec. Je vais retrouver des mots comme vacances scolaires, ticket resto, avantage nanana, 35 heures. Des mots comme on se voit ce soir. Ouais, je termine à 18h30. Attention, quelle map incroyable va nous être présentée. Oui. Merci Ubisoft, merci d'écouter la communauté depuis si longtemps, si longtemps. Merci Ubisoft de nous comprendre, de savoir que c'est vraiment une map sur laquelle on a tous envie de jouer. Il y a plein de gens, et comme lui, qui sont en train de vous montrer, c'est la raison pour laquelle lui il se barre, mais lui il arrive, l'autre il se barre parce qu'il se dit putain c'est Tower, l'autre il arrive et il va se rendre compte qu'il aime pas, l'autre part, etc. Il n'y a jamais autant de turnover que sur votre map de merde. Vous pouvez pas prendre... Regarde, tout le monde se barre. Il y a eu 10 personnes. On a commencé avec 10 personnes. On est avec un turnover de 100%. On est avec 10 personnes totalement différentes.
C'est bien que votre map, personne peut la blairer. Pourquoi nous faire chier avec cette map de merde? C'est pas possible. Elle a été faite par le fils de Yves Guillemot ou quoi? Bah, elle est pas si pire en vrai. Rien que... Je peux pas prendre en considération un tel irrespect de la langue française. Putain, on est lundi quoi, je suis énervé. Je confirme, à chaque fois je tombe sur cette map, tout le monde se casse. Tout le monde se casse. Tout le monde déteste universellement Tower. C'est la map que tout le monde déteste. Et pourtant, il faut... Force les trucs. Ça, c'est un truc qui est horrible avec Ubisoft. Ils ont leur vision. La vision de gens qui ne jouent à peine au jeu, en fait. T'as envie de leur dire, les gars, venez, on échange pendant une semaine. Jouez-y à votre jeu, d'accord, 60 heures dans la semaine. On verra si le roadmap sera le même. Non, on veut pas de Tower. Bas les couilles de Tower, en fait. Ah, ça m'énerve. Je suis énervé. Elle est du niveau de R6. Que marre. Ferme ta gueule, ok? Tu fermes bien ta gueule. Heureusement que t'es un pote, etc. Mais mec, les seuls palmarès que t'as dans l'e-sport de CS, c'est d'avoir gagné peut-être un sandwich parisien en 2002. Alors ferme ta gueule. Ah, je suis énervé. Moi, c'est lundi. Je suis un peu irritable. Oh. Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Claude Bush, là? Je n'essaie pas. Ta gueule, ta gueule. Hey, shut the fuck up, ok? Respect my language. Baguette. There is no baguette, okay? Shut the fuck up. Croissant. There is no croissant. Croissant is from Austria, okay? It's not from France. Everybody is saying it's from France, but it's not from France. It's from Vienna, okay? What? Comment il a fait ça? Oh, you died. Oh. Yes, I died. Nine. And what? Nine. Yeah, you're dead, no? When okay, did you die? Died. Did you make a kill? No? So shut the fuck up. Okay, baguette. Stop with that, okay? It's racist, okay? My father is a baguette. 1v1, you can do it. Yeah, try to shoot him, shoot him, shoot him. Shoot him! Ah, yeah, well, nice try. Next time, maybe you should try to shoot him directly. Thank you for the Statue of Liberty. It's okay. Yeah, you're welcome. Oui, oui. Very funny, okay? You piece of shit. Solis. Ta gueule, toi! Non, c'est bon, hey. Je t'aime. Yeah, yeah, tu m'aimes, ok. You're 11 years old, ok? You shouldn't be playing this game. J'aime pas les lundis. Faut pas compter que les années bisextiles pour l'âge, hein. Vas-y, hey. Vous êtes désagréables, les gars. Déjà, en ce moment, vous êtes des rats. Vous payez pas. C'est hallucinant. Je me dis, pourquoi je lance? Y'a que des rats. Et en plus, vous êtes désagréables. Vous vous rendez compte, sérieusement? Si je venais dans vos boulots, là... Didier, tu fais beaucoup plus vieux que ton âge. Toutes les 3 minutes. Essayez de faire des kills, non, je sais pas, faites un truc. Hey, try to make some kills, guys, maybe. I'll try my best. Yeah, try to shoot people. Thank you. I did. Yeah, well, try harder. I'll try at least 10% harder. Okay. Seven. We're screwed. 7%. Okay, we're fucked. Please don't die. They're going to push fast. Ace, lounge hallway. Ash, vending. Oh mais merde. Good try. Il a eu l'air con à mon avis le montagne, il a dit attends il va venir me jouer moi avant. Ouais j'aurais pu effectivement si j'avais pas entendu la hache faire une erreur en voulant monter sur le distributeur. I damaged somebody so I'll go for 15. Yeah, nice try. Ils sont nuls à chier putain. Pff, j'en ai marre. En plus c'était une bonne petite map, là on pouvait rigoler, tiens je vais prendre. Also nice. Putain de ricain de merde. She's in conference room right now. Clash on me. Let's fuck her. Non, non, non! Fils de pute! Il en a aucune idée! Oh, oui, je vais tirer là, au hasard. One main, garage. Oh là là, mais t'as une grenade!
Oh les gens, après tu m'étonnes, les gens ils font oh, en ce moment je m'amuse bien sur Fortnite. Bah ouais les gens, parce que Fortnite c'est de la merde. Et c'est bien pour vos capacités intellectuelles de débile. C'est là la vraie raison pour laquelle Fortnite ça marche bien. Pas parce que Fortnite c'est bien, non. C'est parce que ça s'adapte à votre quotient intellectuel de fucking Macron en fait. Regarde ça, lui il va terminer sur Fortnite tu vois. Il a utilisé 2 chargeurs pour une caméra ce fils de p***. Donc forcément il va aller sur un jeu où ça fait des gros. Avec le shotgun j'aime bien, je touche des gens parfois. Ok, incroyable. Lui, il va aller sur Fortnite aussi. J'ai vu ça dans une vidéo un jour. Le mec, il fait un 180. Oh merde. Ils sont cool, tes lives. Ouais, mais prenez des subs. J'en ai rien à foutre, moi, de vous. Ils sont cool, tes lives et tout. C'est pas ça qui me paye. Je veux de la thune, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là. Oh, le scanning. Oh là là. Pré-shot, pré-fire. Oh. Nice try. No. It's my first match, so I'm just warming up. Sorry. You mean it's your first time on Rainbow Six, right? Ever, yeah. Ever. Yeah, okay. Yeah, that makes sense. It definitely looks that way at least. Il a dit c'est mon premier match. Je lui ai dit, il voulait sous-entendre de la journée. Je lui ai dit non, c'est ton premier match. Enfin, laissez tomber de toute façon. Je suis hyper drôle en français, en anglais, niquez vos races. Je vous avais pas compris la blague. Eh ben, allez vous faire en. Putain, je vais vous faire des fucks. 2024, c'est la dernière année. Après, je me casse, les mecs. Si ça te rend plus heureux, je vais être heureux pour toi. Mec, j'ai jamais été heureux dans ma vie. J'en ai marre de cette pression d'être heureux. Vous pouvez dire, vous, je suis heureux dans ma vie? Déjà, si vous êtes heureux dans votre vie, bah bravo, bah bande de fils de p***. Vous êtes parfois heureux. Mais on peut pas être heureux tout le temps. Est-ce que ça va me rendre heureux? Non, franchement, non. La finalité, les mecs, c'est faire 4000 euros net en foutant rien du tout, en me faisant poncer le bambou sur une plage du sud de la Thaïlande et en buvant des White Russian. Entre les deux, il n'y a aucun bonheur pour moi. Il n'y a rien, il n'y a rien. Putain, merci pour les 1 euro, Mr Beast. Va te faire en c***, va faire des puits en Afrique, là, nous fais pas chier. Oh les gars, j'ai trouvé de l'eau, super. Ah bah, tout le monde a pris. Bravo. Y'a pas du pétrole plutôt? Prends des petites tortues aquatiques 6-4, ça soulagera ta solitude. Wouh! Oregon! Bah alors ça, une map pas trop connue en plus. Et avant de jouer à R6, vous jouiez à quoi? Call of, Battlefield, CSGO, BF1, COD, Overwatch. Aïe aïe aïe, Overwatch. J'avais 26 ans et j'étais sur Fortnite. Aïe aïe aïe. PES et Deus Ex. Ah ouais. Non mais Scarolo, t'es vraiment vieux. Donc j'étais sur PES. PES. Parfois je me faisais des jeux rétro avec mon émulateur Nintendo. Ah ouais. Hakal, open here, please. Hakal, come back. Jackal, come back. You have forget something here on the ping. You can open it with your shotgun. Jackal, you can use your shotgun on the ping. And it's very good here on the ping 4. Putain, j'en parle plus des débilos. Va te faire en Jackal. I don't have a shotgun. Yeah, you should have said that before. I didn't know what push-to-talk is, man. I have 2 games of experience, man. Chill. 2 games? Yes, 2 games. You played only 2 games? Yes, this is like my second game. So technically 1 game. All right. Don't expect much. Yeah, this one is okay. That's only going to be a warning. Are you from Quebec? No, I'm from France, all right? Like, I hate Quebec people. I think you're from Quebec. Right. No, I'm 100% French. I'm not speaking with a dirty accent. I don't know. I hear a Quebec in your accent, you know? No, there is no Quebec in your accent. And by the way, my English is better than yours, you mother... What? Yeah, well, my French is better than yours. Oh, yeah. Let me hear it. I can't wait. Sacre bleu, I suck a wiener, you know?
Very good French, indeed, very good. Yeah, that was the Quebec kind of French, you know? Yeah, okay, now shut up. Va me casser les couilles. C'est la deuxième fois que tu joues le jeu, fils de p***. Et du coup, tu t'es dit, bah, je vais jamais droner. Hein. J'ai bien compris comment ça marchait, Rainbow Six. Je prends un chacal, je vois les pieds et je ne drone pas. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Bah, je pue la merde. Et après, je désinstalle le jeu en disant, Valorant, c'est mieux. Fils de p***. Je préfère Valorant. Rainbow Six, c'est nul. Non, c'est pas Rainbow Six qui est nul, c'est toi qui es nul sur Rainbow Six. Ça n'a rien à voir. Ils arrêtent de mettre plein de lésions. Yeah, you get him, French guy, you get him. Yeah, easy. Look this. Here. I'm watching you. Bruh. What happened? Je l'ai jamais vu l'autre là. Vous l'avez vu, Kaïd? Rigolez pas, bande de fils de. Je vous pose une question, vous l'avez vu ou pas? Vas-y, le mec il a un skin d'étagère quoi. What happened? Top, it's better. See, French accent. Tabernacle. Sacre bleu. No, there is no sacre bleu, okay? No one is saying sacre bleu in French, okay? So you stop that. Mon sac à dos. No, no, there is no sacre dog non plus. No. Un fuck. Yeah, no, that's English. Fuck. I know what that one is. Pourquoi les gens disent sacre bleu quoi? Franchement, qui dit sacre bleu t'sais? Here, guys, we need to reinforce. Oh, pas de renfort. Ok. Blue, white stairs, coming white stairs. Cover up, behind you, behind you. I'm kidding. Quoi? Do you live in Paris? No. He's from Quebec. What are your thoughts from on North, the Germans? I'm from Nantes, N-A-N-T-E-S. It's the west part of France. But you have no fucking idea. You're American, so you don't even know where France is. Hey, we're not American, bro. Where are you from, guys? For real. That's messed up, bro. You're Canadian. Yeah. I studied in Vancouver. Oh, yeah. Very good, Valkyrie. Oh my god, what the fuck is that hole? What the fuck is that? You need to make a rotation hole on the left side, exactly here, then reinforce the right side, okay? And when they are pushing you, you come back and you close behind you. Oh my god. Watch this. That was gross. Alright, you have a good day, Frenchie. Yeah, have a good day, guys. Oh no, not you. Nano vient de lâcher une dinguerie sur WR. Qu'est-ce qu'il a dit, ce fils de... Il fait voir une photo de sa fille. Qui est adorable, qui est en train de manger. Hello, Mia Khalifa. Fais pas genre, toi, on t'a reconnu, mec. Tu parles anglais comme une vache espagnole. Ta gueule. Eh, ferme ta gueule, ok? Je vais te briser tes jambes. Quoi? Tu vas me briser les jambes, mec? Ferme ta gueule avec ton accent de merde, ok? Ta gueule, c'est une merde. De quoi? Non, c'est merde. M-E-R-D-E. Wow. Marde, ça n'existe pas. C'est un département, fils de p***. Tabarnak, mon gros calice. Nom de Dieu, il est avec toi, lui, il pue la merde, hein. La marde, pardon. Merci Galover, nouvel étudiant du campus. Putain, ça faisait longtemps, 30 minutes sans sub, quoi. À vous faire marrer et tout, machin. Gratuitement, bande de fils de p***. Hé, tu diffuses en... Voilà, faut demander gentiment. Ta gueule. Écoute, Jean-Eude, t'as 14 ans, ferme ta tronche, ok? Je vais te corriger, j'ai pas 14 ans, je suis plus vieux que ça, ok? Tu te rends compte qu'à chaque fois que tu me parles avec ton accent de merde, ça me fait énormément rire. T'es un français, c'est normal. Tu veux pas faire un effort pendant que je suis là? Non. Mais parle anglais alors, parle anglais s'il te plaît. Non mais faut leur dire sérieusement, ces putains de Québécois de merde là. Nous casser les... Oui, oui. Ouais, baguette, baguette. Noir. Ouais.
Putain, trop drôle. Je ah prends oui, oui, les baguettes. Ta gueule, toi aussi, toi. Fais, commence pas, toi. Barre-toi de le mon croissant. Live. Oh, ta gueule. Putain, encore des stream hacks. J'aime vraiment les chocolatines. Là. C'est ta mère, la chocolatine, mec. Vous allez y arriver à deux. Bravo. Bravo, Dupont et Dupont. Oh, les débiles. Les deux pour tuer l'autre. Tiens, je te mets ça parce que t'es un peu débile, toi. Pourquoi tu fais des 180 sur toi-même, toi ? Ah putain, j'en peux plus. Les mecs sont cons comme des tubs. Bravo. Tu comptais faire une transi sur Valo ? Ouais, je vais faire une transi sur Valo, galop. Attends, t'as payé des droits ? Ah merde, je peux pas te répondre cyniquement. Oui, bah dès que Rainbow Six meurt. Promis. Le shield selon Ubisoft. Ouais, c'est un shield inclusif. Une balle sur deux, il arrête. Tu regarderas si je te l'ai envoyé en MP sur Twitter. Le numéro de ta mère ! Nous allons remonter le dossier comme convenu pour enquêter sur ce souci du charme Twitch de 6-4. Les gars, vous l'avez tous contacté, ça va pas marcher, hein, le cheat code. Ça va pas marcher. Hein. Il y en a beaucoup pour qui ça va marcher, mais là, ils vont commencer à se dire « On a un problème, là. On a un problème avec un charme. » Ah non, il est banni, ce fils de p***. Mais si vous voulez que ça marche, faut pas le faire sur le support français. Ah oui, forcément, c'est Ubisoft France. Hein. Autrement, mon charme, il serait enlevé du jeu. Il y a un gars. Il y a un gars qui tire dessus, je crois. Voilà. Il t'a eu. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre, il s'est retourné là-bas, tu sais. La problématique a quand même commencé ici. Pam, 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 pam. Ratatatam. Hein ? Quoi ? Je me retourne, je meurs. T'as vu les débiles un peu sérieux ? Donc, Nano qui nous envoie quand même une vidéo de sa fille qui est en train de manger. La gamine, elle a un an ou deux, tu sais. Hyper mignonne et tout, en train de manger. Tu manges, nanana. Il nous envoie la vidéo comme un bon père de famille. Genre vraiment, véridique. Le message du dessous, elle a une grande bouche comme sa mère. À quel moment, tu vois, en fait. Dans son cerveau, ça a câblé. Il a vu sa fille en train de manger la bouche ouverte et il s'est dit... Hey, t'as vu ? Comme toi, hein. À quel moment tu te dis, tiens, j'y glisserais bien autre chose que des coquillettes. Pas moi, je réfléchis à la performance.